L'ordre du jour appelle la question orale numéro 181 de M. Antoine Lefebvre à Monsieur le Ministre du redressement productif. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Président, pardon. La raréfaction ré des énergies fossiles implique que les différents acteurs, aussi bien l'État que les entreprises et les particuliers, se préparent au changement d'habitudes et de comportements, en particulier dans le domaine du transport individuel. C'est dans ce contexte de mutation et de difficulté de l'industrie automobile classique qu'il y a tout juste un mois, le 83e Salon de l'automobile de Genève ouvrait ses portes. Force est de constater que l'industrie automobile est enfin rentrée dans le tourbillon de l'électrique. De nombreuses marques proposent des modèles, essentiellement de petite taille, à commencer par Renault avec le modèle Zoé, même s'il convient particulièrement aujourd'hui d'évoquer le dépôt de bilan annoncé hier de Liège qui n'a pas pu en 2012 écouler plus de 700 véhicules, la MIA électrique. En effet, en 2012, 5 660 véhicules électriques ont été vendus, ceci représente 0,3% du marché français et jusqu'à 1,75% si on inclut les voitures hybrides, mais tout de même deux fois plus qu'en 2011. Sur l'Europe de l'Ouest, ce, euh, ce ne sont que 24 203 véhicules complètement électriques qui ont été commercialisés, soit 0,21% du total des ventes. Or, la flotte de véhicules européennes est très ancienne et son renouvellement, eu égard à la lutte contre les émissions de CO2, devient urgente. Malgré les mesures prises pour relancer les ventes de voitures par le biais de primes à l'achat de véhicules hybrides électriques, dont la localisation de production devra être en France, la demande ne semble pas être encore au rendez-vous. Or, alors même que la prise de conscience d'une nécessaire nouvelle approche du transport se fait jour, à l'heure de la hausse continuelle des prix du carburant et aux soucis d'économie et d'écologie partagés par tout un chacun, quelles sont les causes de ce peu d'appétence pour le combustible alternatif qu'est l'électrique Problème d'autonomie, prix d'achat du véhicule, frais de réparation et d'entretien, achat ou location des batteries, faible nombre de bornes. En effet, le risque de panne par manque de bornes de recharge est régulièrement évoqué, et il faut bien remarquer que celles d'ores et déjà installées le sont essentiellement en milieu urbain. La recharge ne pouvant se faire que sur des bornes dédiées ou des prises spécifiques installées chez le particulier, le plein d'énergie demande près d'une heure sur une borne publique, mais 6 à 7 heures à domicile. Il n'existerait que 1473 bornes sur notre territoire, dont beaucoup en panne ou encore peu opérationnelles. Le département de l'Aisne, dont je suis l'élu, n'en compterait même pas une seule. Face aux ventes très faibles des premiers modèles en 2012, les constructeurs déplorent ce manque de bornes qui pourrait expliquer ces débuts difficiles. Comment l'objectif fixé en 2009 de 400 000 bornes pour 2020 pourra-t-il être atteint alors même que les prévisions sont à peine de 3 000 en accès public par an Il convient donc que les États, les villes et les constructeurs coopèrent afin que les infrastructures nécessaires soient mises en place. Alors même que le véhicule électrique représente un vaste marché sur lequel le gouvernement a parié en priorisant sa construction, il ne faudrait pas que l'offre faite aux consommateurs voie sa diffusion freinée par manque d'alimentation. Si la France paraît actuellement faire figure de proue dans le développement d'électrique, il est bien évident que pour relever le défi d'une utilisation de masse du véhicule électrique, un cours d'usage et de maintenance inférieure, un coût pardon, et de maintenance inférieure à ceux des véhicules thermiques en seront les déclencheurs. Merci donc, Monsieur le Ministre, de nous indiquer un état des lieux des mesures de déploiement de ces bornes au-delà du plan automobile présenté en juillet 2012 et de la mission Hertzmann du 3 octobre, et aussi, s'il vous plaît, de nous donner la position du gouvernement sur la situation de Liège. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Kader Arif. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Lefebvre, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser le ministre du redressement Productif retenu ce matin par le comité stratégique de filière Modelux à Paris. Avec le plan automobile présenté le 25 juillet 2012, le gouvernement s'est vigoureusement engagé pour promouvoir le véhicule électrique. En premier lieu, l'État et ses opérateurs montrent ainsi l'exemple en consacrant 25% des achats de véhicules aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables, et cette part étant portée à 100% pour les véhicules urbains. Le développement du marché des véhicules électriques a été accéléré, en augmentant de 2 000 euros le bonus pour l'achat d'un véhicule électrique, qui a été porté à 7 000 euros. Les premiers résultats de cette politique ambitieuse sont là, dans un marché automobile français malheureusement en baisse de près de 14%. Les ventes de véhicules électriques ont vu leur vente multipliée par deux, que ce soit les véhicules particuliers ou les camionnettes, qui totalisent respectivement 5663 et 3651 unités vendues l'an dernier, contre 2630 et 1683 en 2011. Sur les deux premiers mois 2013, 898 véhicules particuliers électriques et 874 VUL électriques ont été immatriculés, soit 1772 au total, confirmant la progression de 2012. Cette croissance devrait se prolonger, portée par l'arrivée, vous l'avez indiqué, de nouveaux modèles de Renault, Zoé, PSA, Berlingo et Partner. Par ailleurs, pour accompagner les initiatives des collectivités territoriales auxquelles les lois Grenelle ont confié la compétence pour le déploiement d'infrastructures de recharge, l'État a lancé en janvier 2013 un nouvel appel à manifestation d'intérêt doté de 50 millions d'euros sur les fonds du programme d'investissement d'avenir et ouvert à, toute région, à toutes les régions, départements, groupements de villes et communautés d'agglomération de plus de 200 000 habitants pour implanter davantage de bornes de recharge ouvertes au public. Au 1er avril 2013, ce sont 6 500 prises de recharge qui seront implantées en France contre 1 800 en juillet 2012. Des premiers projets régionaux ou départementaux sont en cours de formalisation. Il laisse espérer l'installation de 8 000 prises de recharge avant la fin de l'année. Nous souhaitons, et vous le savez bien, accélérer le développement de ces initiatives et sommes fortement mobilisés pour que ces résultats soient encore plus spectaculaires en 2013, et nous y travaillons avec l'ensemble des acteurs, en particulier acteurs publics et acteurs privés. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Lefebvre. Totalement la réponse, monsieur le ministre, sur la, la situation de Liège. C'est peut-être plus une question d'actualité, mais j'imagine que cette semaine, celle-ci euh, sera à l'ordre du jour. Je vous remercie cependant pour votre réponse. Euh, C'est vrai que cette question, elle, elle date pour ma part de, de presque six mois. Euh, nous avons vu qu'elle était d'une brûlante actualité. Entre temps, euh, s'est tenue effectivement le 6 février dernier une réunion de la Caisse des dépôts autour du coordonnateur de réseau des infrastructures de charge et est également le responsable du programme véhicule électrique du futur de, de l'ADEME. Son objectif, vous l'avez rappelé, était de présenter aux collectivités locales des dispositifs de déploiement des infrastructures de recharge. L'aide que vous avez évoquée euh, des, des 50 millions, effectivement, a été mise en œuvre. Elle est plutôt bienvenue. Elle est de 50% pour les bornes à charge normale et seulement 30% pour les charges rapides. Et pourtant, ce sont ces bornes à charge rapide qu'il faudrait bien sûr déployer de façon plus, plus rapide sur le domaine public. Euh, je voudrais simplement évoquer que nous n'avons pas abordé la question cruciale des de, de, capacités pour les constructeurs européens de s'entendre sur un standard de recharge commun. Euh, je pense que ça sera peut-être le message à, à, à donner à, à Monsieur le ministre Montebourg pour qu'on puisse relayer ses inquiétudes auprès de, de Bruxelles dans la perspective d'une uniformisation à laquelle la Commission doit, doit me semble-t-il, réfléchir. Il paraîtrait effectivement en effet que la recommandation s'oriente vers la prise allemande de type 2, qui est interdite en France pour des raisons de sécurité, à savoir l'obligation d'un obturateur. Donc voyez que ce dossier est loin d'avoir trouvé sa vitesse de croisière. Je compte sur l'action du gouvernement pour aider au déploiement.